Yo. Salut, salut. Ça va? Rien à voir. Non mais non mais je te dis la vérité, vu que c'est nous qui l'avons dit, donc je vais te dire ce qu'il en est. Si Walden prend prison à perpétuité, Poyo prendra une... Écoute, écoute ce que je te dis. Si Walden prend une prison à perpète, Poyo prendra une mort RP parce que c'est à cause d'elle qu'il a été coincé. Je te le dis comme nous on le sait. Non, non, mais la perpétuité sur ALF, ça veut dire que ton perso, il est mort. En fait. Ben, c'est la seule condition pour que Puyo n'ait pas de mort RP, c'est tout. Ben, on te dit? Parce que, d'après nos infos, voilà, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit qu'il allait avoir perpète, ouais. Mais on te dit comme on l'a.
Ça va les copains? Bah ouais, logiquement. Yo Canox, ça va ou quoi poto? Je suis en train juste d'upload les vidéos qu'il faut que j'upload, je suis perdu. Yes. 22h, 4h04. Sur YouTube. Oh mais sur YouTube, ça va, ça va. Problème de hier soir, raconte-moi poto. Pas forcément hier soir, j'étais dans mon rôle, je sais pas. Dis-moi, dis-moi. Non mais la mort RP. Non mais la mort RP c'est un cumul d'actions qui fait qu'à un moment donné t'as fait quelque chose qu'il fallait pas que tu fasses. Non mais si tu non mais non. Par exemple si demain je viens te voir et je te dis écoute Metal. Enfin c'est même pas une condition, c'est. Je te dis écoute Metal aujourd'hui Watt c'est à nous. Si je te vois trop souvent sur Watt, un jour tu repartiras plus. Et encore, franchement, c'est dégueulasse comme condition de mort RP, tu vois. C'est comme si je te disais, écoute, Belle-Île, c'est à moi, tu viens plus sur Belle-Île. Mais en gros, je te donne une condition sine qua non au fait que si un jour tu fais ça, tu vas mourir. Bah, ça se passera comme ça. Comme nous, dans le groupe, il y a une condition imbitable. Si tu voles ou si tu nous trahis, tu meurs. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et tout le monde l'accepte si ça arrive. Regarde Mike, il est mort parce qu'il nous a trahis. Et il le savait très bien, hein. Il l'a dit d'ailleurs aux admins, les gars, nous on a ça, on sait que si demain je vends ça, je sais que je suis mort, y a pas de souci quoi. Si je suis niqué, je suis mort. Enfin. Voilà, c'est. Et par exemple, Beldara, oui, c'était un mec avant de le tuer, c'est un mec qu'on a vu 20, 30 fois. On lui a dit pendant une quinzaine de fois, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Voilà, lui il l'a pas compris, tu vois. En retour, William Kidd il a très très bien compris, il n'y a pas eu de soucis, même s'il a un RP particulier, il n'a pas eu de problème avec sa mort, quoi. C'est mais y a personne qui a. Non mais y a personne qui a une raison de te mettre une mort RP de toute façon aujourd'hui. Voilà. Salut.
Yo Samuel. L'équipe. Oui, je suis au courant, ouais. Je suis au courant, pote. Je suis au courant, je suis au courant. Non, ben gendarme, tu peux pas, non, mais c'est sûr. Mais c'est pas parce que je prends perpète que je vais rester en prison, hein. Ça va, super Samuel. Ouais, quelle chevelure, putain, tu l'as dit, tu sais quoi. Regarde toutes les caves qu'on a qui viennent travailler. On peut en supprimer un qui est trop dangereux, on peut même pas. Si. D'après ce que j'ai entendu, Canox, c'est juste qu'il faut pas lui mettre une balle dans la tête, parce qu'apparemment c'était la balle dans la tête le truc. Apparemment c'était juste ça le truc. Si, enfin, y a des liens, mais tu. On a. J'ai eu deux interactions, je crois, dans ma vie avec elle. La deuxième, c'était quand elle s'arrêtait au milieu de la place. Et je lui ai dit bonjour madame, vous êtes cassé le talon. Voilà, je crois que ça s'arrêtait là. On a zéro interaction avec Puyo. 0-0. Si. Voilà, et si tu veux. Ah oui, non mais attends, voilà. Si tu veux, le problème, c'est que nous, on n'est jamais au vin des pères, on tourne jamais autour de Poyo ou de Serra. Je te dis la vérité, on en a strictement rien à foutre, mais vraiment rien à foutre. Vas-y. Et maintenant, je vais te dire autre chose. En fait, si tu veux, nous, on a eu les CR, où dedans, il y a Poyo qui dit clairement, et Serra qui dit clairement, que nous, on tourne autour d'eux et qu'ils ont peur pour nous. La fois où on a été. Ouais, alors le soir, le fameux soir. Ou c'était Mezu, c'est un mec en plus un viewer Mezu, tu vois. On était quatre. Attends, non, mais il me parle d'un truc bien précis. On y est allé pour lui demander s'il y avait une voiture de telle marque, de telle couleur qui était passée. On est allé, on s'est arrêté, on est reparti. Il était tout seul, il y avait trois DAF, il était en train de faire son vin. Oh putain, mais ce fois-là! En plus, ça c'est dans un CR, mais c'est à mourir de rire. En fait, Nino nous prête la Bugatti car on n'avait pas encore de Bugatti. Il nous prête la Bugatti noire, on part du quartier qu'on avait avant, on arrive au vin des pères, et on voulait pas rentrer dans le palais, on fait demi-tour, tu sais. Et je te jure, on s'arrête pour. Je sais plus ce qu'on leur dit, mais on s'arrête pour faire demi-tour, tu vois. Mais on savait pas qui c'était les mecs. On leur pose une question, et on n'a même pas percuté que c'était Serra ou qui que ce soit, et on est parti, tu vois. Enfin, mais je vous jure, hein, vous avez trop de. Toc toc, Bringlol, comment ça, poto? On va aller faire toc toc, je termine mon café tranquille, les gars, je suis dans le pastis là ce matin. Enfin, voilà pour. Mais on tourne pas devant en fait, pas du tout. Oui? Mais nous on tourne pas du tout devant. Je te dis la vérité, Metal. Faut pas le prendre mal, je vais être très cru. Poyo et Serra, j'en ai rien à foutre. Je le vin des pères, je m'en colle totalement.
Pastis atomique ce matin. Non, ça va, moi j'ai toujours la patate, poto, mais je me réveille, tu vois, tranquille. Bon, vous êtes en forme, les potos? On parle un peu avec Kana, Metal, là, c'est pour ça que le chill, tu vois. Et donc, sinon, pour finir le cas de Poyo, vu que je te demandais, c'est juste que dans deux CR, on a vu Madame Lee et Monsieur Serra dire qu'on tournait autour et qu'ils s'inquiétaient, etc., etc., etc. Nous, en RP, j'ai aucun avis là-dessus, en RP, on a pris ça comme un piège de la gendarmerie pour qu'on aille sauter justement sur Poyo, avec qui on n'a rien à voir, pour se dire, putain, c'est quoi la question? Pour faire niquer un de nos indics. Et c'est ce qu'on a fait. Oh bah écoute, bah je te. Bah nous on l'a. Nous si tu veux, demain, regarde Metal, je te dis demain, attends, je vais prendre un truc au hasard. Un mec que tu connais peut-être pas. Julien Durocher, tu le connais? Voilà, ce mec-là est venu me voir 3 fois en me disant Metal veut me tuer. Bah nous, bah voilà, bah nous on a pris la chose exactement de la même façon que toi. Mais qui c'est ce mec? Bah nous on a pris pareil. Mais non, mais bien sûr, Oh putain. Non, enfin voilà, c'est pour te dire que nous on est tombé sur le cul quand on a lu ça, tu vois. On était sur un canap un soir à regarder ça. Et donc on s'est dit, bah c'est. Y a qu'une solution, c'est un piège de la gendarmerie. Ah hier le mec du cartel, ouais, c'est La rediff avec le mec, elle est magnifique. Elle est magnifique cette rediff. C'est un bijou. Un truc de fou. Les gars, on a quand même un minimum de RP. Si le mec fait rien, on va pas aller lui faire quelque chose, quoi. Voilà. Et puis tu peux regarder. Il s'est passé quoi? On a perdu un indic parce que on a perdu un indic parce que on est tombé sur des trucs spéciaux. Une casquette qui grimpe sur la tête, c'est gentil, ouais, mais... Et ou voilà, enfin, on est en train de discuter. Moi, je le dis en RP, hein. Moi, je lui ai dit en RP, hein. Moi, je lui ai dit en RP que c'était un procureur et que le mec il devait arriver à la gendarmerie, poser ses couilles sur le commandant. Hein, je peux te dire. Non, mais c'est une façon de parler. Cas, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Bon, on envoie les poteaux, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va y aller, hein. Le pauvre, je te dirais,
Mais j'ai envie de vous mettre une gifle, monsieur le procureur. Ah, mais tu sais que si j'étais à sa place, je me serais levé, j'aurais dit, mais très bien, monsieur, allez-y. Bon, vous savez quoi? Je me fais un autre café et on y va. Ça vous va? Ouais, on fait comme ça, les amis. Ça fera que le troisième. Les gars, vous pouvez me dire à quoi, au fait, à quoi ça sert les cheers? Que moi, vous savez que Twitch. À quoi servent les cheers? Tiens, Kenny des bordels. Topé. Moi, toutes les infos que j'ai, elles peuvent pas être topées parce qu'il y a 5 personnes au courant et c'est 5 personnes qui donnent pas d'infos. Mais vu le taf que toi tu fournis et tout ça, mais enfin le problème c'est que t'es tout le temps écartelé, on va dire, des enquêtes. Ah oui, non mais ça, écarté, ouais. Ouais, ça par rapport au écarté, stream, ouais, c'est encore, ça c'est encore autre chose, c'est une autre problématique ça. Ouais, non, mais je sais, mais. Mais je m'en fous, je vis avec, tu vois, je m'en rends là. Ouais, mais c'est chiant pour toi aussi, quoi. Ouais, je sais. Mais Normalement, ma maison RP elle est toujours pas trouvée normalement. Ouais, non, mais même normalement, je suis assez prudent autour de ma maison. Et après, le. Ouais, le problème, c'est ça, quoi. Mais, gars, c'est comme l'histoire qu'on a eu l'autre jour, hein. Quand Jackie t'en parlait dans l'hangar, là. C'était un peu bizarre que le mec il répondait pas, quoi. Ah, oui, non, mais ça, oui, non, mais ça c'est forcé que. Ouais, ça faut. Mais par contre, il y a un truc, enfin, je sais pas si t'arrives à le voir, John, mais. Enfin, de notre côté, on a l'impression que. Enfin, il y a un peu du parti pris, quoi, tu vois ce que je veux dire? Parti pris. Bah, regarde par exemple, au début de nos actions, je sais pas ton auteur du coup, on m'a clairement soupçonné de faire de l'active map. Donc on me ah, l'a délaissé. Ça me regarde pas, ça. Non, mais toi, tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant. Non, mais je sais bien qu'il l'a pas. Ouais. Ça fait 2 semaines que je l'ai plus, toi, ça change strictement rien au game. Et par contre, là, c'est comme par exemple, la gendarmerie a essayé d'envoyer un indict sur la weed. Et le mec, apparemment, il s'est fait choper, il s'est fait balayer dans le coma.
T'as Nico qui lui saute dessus disant que il avait pas été tiré dessus pour le mettre dans le coma. Ouais, mais grossièrement, c'est ça, ma pote. Et par contre, Metal, quand tu fais une arrestation là, une station-service là, ouais. Tu sors pas de nulle part comme ça en disant je vais vous tirer dessus. Non, tu m'as fait flipper, espèce de con. On a l'avantage de la nuit, on l'utilise, hein. Ah, je sais, mais en RP pour l'instant, je suis toujours pas sûr de ça. Ça commence à aller un peu mieux. Ça commence à aller un peu mieux après la discussion qu'on a eue, en fait, parce qu'on a pu mettre les choses à plat, tu vois, en RP. Ça commence à aller un peu mieux, mais voilà. Mais par contre ça, je développe avec, tu vois. Par contre, moi, je vais. Moi, il y a un gros souci, justement, au tribunal, et c'est pour ça que je vais partir de là. Il y a trop d'histoires. L'autre, là, Sully Full, là, qui arrête pas de dire oui, mais t'es chic, oui, mais t'es. Non, c'est bon, lui, il commence à. Non, c'est qu'en fait, Warhorse a pas eu conscience, il lui a pas donné accès à certains trucs, et c'est né de là, quoi. Moi aussi, je vais aller en civil, je vais me balader, je vais acheter des bagnoles, moi. T'as une prime sur ta gueule? Quoi? Ouais, t'as une prime. Ouais, moi, ouais, apparemment, j'arrive. 900 000. J'ai jamais croisé de mec qui me l'a mise, donc. J'arrive! Cette histoire de prime aussi, c'est pareil, hein. Est-ce qu'elle est encore vraie? Enfin, bon, j'ai pas reçu de message. Bon, je fais toujours attention, tu vois, mais bon. Bah, vas-y, moi, si tu vas. Pas trop de si retour là-dessus, hein. Moi, si tu vas en civil, je viens avec toi à l'ancienne. Bon, je vais me balader, ouais. On va sortir deux chevaux, on va essayer de la taper dans des escaliers. John, est-ce que tu pourrais me renseigner au moins sur un certain point? Dis-moi. Est-ce que ma. La mise en attente de mon truc d'avocat, est-ce qu'elle est réellement justifiée? Alors, allez, moi, de ce que j'ai compris. Attends. Non, juste pour moi. Vu qu'il y a des enquêtes en cours et que vous êtes impliqué dans des trucs, voilà. C'est pour ça que c'est bloqué. Et moi, du coup, ça me paraît légitime, si tu veux, si c'est bloqué que pour ça. Parce que pour moi, c'est bloqué pour ça, hein, à l'heure actuelle, ton entreprise locale. Oui, mais est-ce vu qu'il y a des enquêtes sont... et que t'es soupçonné d'avoir des. Tu vois, vu qu'on a. Bon, je t'en dis pas plus, mais voilà. Bah écoute, moi non, déjà, et j'ai jamais entendu cette phrase, mais je te jure que c'est vrai, Hector. Mais moi non, en tout cas, moi, y a pas eu... Pour moi, j'étais persuadé que ça passerait pas au vu des enquêtes qu'il y avait sur toi, tu vois, tu peux pas ouvrir un cabinet d'avocat si t'as des enquêtes vraiment sur toi, des trucs comme ça. Oui, ça je sais, mais je veux juste savoir, en fait, si juste les motifs sont légitimes, en fait, c'est juste que je veux savoir. Pour moi, le motif est légitime. De ce que je sais, c'est légitime, Kana. De ce que je sais, c'est légitime. S'ils ont quelque chose sur toi, oui, c'est légitime. Ouais. Mais je reste persuadé que ça le reste, tu vois. Après, une fois que l'enquête aura abouti, s'il y a rien, ton entreprise, si elle ouvre pas, ça, c'est notre problème, ma poule. Mais en termes de temps, tu penses qu'il y en a encore pour longtemps de votre côté? Je sais rien. Par contre, parle pas à la radio avec des menottes, Kana, je te le dis. Ah, je peux t'avouer honnêtement que j'ai lancé ma première phrase sans faire exprès. Ouais, mais je t'entends plus répondre après, Crouch après, c'est pas cool. Ah, Crouch, oui. Ah, ça, oui, ça, j'ai parlé, non. J'ai les... bref. Oui, Crouch, ça, je l'ai mal encaissé, ce coup-là. T'as oublié de me retirer le téléphone. Mais... Ah, je m'étais trompé. Yo, Forex, yo, Lunatic, poto. Comment ça va, les potos, de bon matin? Non mais je t'arrête pas, pourquoi encore une rumeur à la con, j'ai pas envie de t'arrêter, putain. Non mais j'en ai marre. Alors cela dit, il y a une chose qu'il faut bien comprendre avec les iPhones, c'est qu'ils peuvent être dans ta poche et que ça peut être une espèce de kit main libre, un truc comme ça. Hein. Ah, ça existe, hein. Yo, Smilebad, ça va? Ah, c'est cool. Ah. Ad...
Attendez, je remets les scènes du stream, Metal, il a quelque chose à dire. Non, je dis, redis que tu vas les buter, s'il te plaît, que je le passe sur le stream. putain, ouais. C'est vrai, smile bad, c'est vrai. Ah, ça c'est bien ça, pour étirer sur les gens. Bah, des flashballs là, c'est ça? Oui, des flashballs. Oh, génial, je vais tirer sur tout le monde. Attends, je mets le son, attends. Attends. Vas-y. Ah, pas mal du tout ça par contre, un flashball. Oh, ouais. Ça te plaît, Metal, le flashball? Ah ouais, grave. Il va t'en servir souvent. Une cartouche et mi-PV. Il va t'en servir souvent. Ah, c'est mi-PV quand même. Oh putain, la vache. Par contre, faut que si tu vises la jambe, il boîte. Je vais m'en servir souvent. Vous avez entendu? Il va s'en servir souvent. Ouais, mais t'inquiète pas, je suis en train de rec. Hein, j'ai laveur média, il est en route. Hein. T'inquiète pas. Ah, voilà. Petit spoil intéressant. Ah, sympa l'idée du flashball. Et puis pour patrouiller dans la vie de tous les jours en psych, parce que normalement, enfin je vous le dis quand même, mais je vous ai laissé profiter de vos G36 quelques semaines. Mais la G36 c'est que pour vos grosses opérations, vous aurez une belle MP5. Bah moi je veux bien, ça je veux bien ma poule, mais à partir du moment où il y aura un putain de vestiaire et qu'on arrêtera d'acheter toutes nos armes et tout à chaque fois. Ouais mais ça aussi c'est un scandale ça. Pour que... C'est de la merde, c'est ouais, pareil. Je suis entièrement d'accord. On doit payer nos assurances de véhicules, on n'est pas remboursé. Donc bon. Non, pour les armes, je verrai pour. Il y a Tony qui avait bossé sur un système de vestiaire achetable à 1€, tu vois, sous forme de titre de propriété. 1€ 1€, et ça nous aurait permis de ranger, si tu veux, toutes nos affaires dedans. Parce que moi, à chaque fois, quand je pars en civil, là par exemple, j'allais faire un tour en civil ce matin, tu vois, tranquille, et ben je vais tout détruire et tout racheter derrière. Sans compter que comme ma tablette et le bug, c'est 500 balles à chaque fois, tu vois. Comment ça se passe? Je passe te chercher en yacht? Non, t'inquiète, je vais me démerder. Après, voilà, tu vois. D'autres intéressants. C'est chiant. Après, la G36, clairement, ça pêche parce que la G36, je peux pas la ranger dans mon sac en fait, donc c'est merdique. Vous aurez des lampes torches et tout, sur un peu partout. Un nouveau viseur. Ouais, un meilleur. Bon, après, la CO c'est très bien déjà, hein, franchement. Bah, ça sera la même, mais en plus. Un peu mieux. Bon, est-ce que Metal, je peux te poser une question, s'il te plaît? Vas-y, Hector, hein. À quoi ça sert les.
Et t'as le truc, ça change quoi? Ah ça c'est bien, putain. Et avant t'en avais qu'une. Avant t'en avais qu'une. D'accord, ok. Éteins de Bruno. Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, je vais en jeu, moi, parce que ça fait une heure que je suis... À très très bientôt, monsieur Metal. Ouais, continuez. Avec très toi. Très bientôt. Des bisous, Hector. T'as le con, ouais. Donc voilà, tu sais tous les détails qui te... Non, oui, oui. Yo, Valden, justement, y a Metal qui te cherche. Putain, oui, Valden. On a eu une bonne discussion après, en plus, après l'action de la fin dernière. Tu veux lui dire bonjour discussion. À travers le live, y'a pas de soucis, t'arrêtes pas normalement, c'est promis. Ouais, ouais. Mais par contre, Metal, hein, tu sais que si je passe avocat, je peux te prendre comme client sans soucis. Hein. Comme client de tout le monde. Comme client si, de quoi si des fois t'as un problème avec la justice. Oh, ça sent ripou. Ah, mais tu sais, c'est pas arrivé. Salut Valdan. Salut, salut. T'es caché où? Hein? Il est sur mon live. Il est sur mon live. Moi, je suis caché entre de mains, un peu partout, un peu nulle part. Putain, je croyais qu'on allait reprendre. Bon allez, c'est le réveil les gars. Normalement, je suis à Sauzon avec de la coque. Oula, oula. Bestil bordel. Bon, les potos. Un topo, je vais lire. Alors, les mecs veulent se faire rembourser leur véhicule sans deck. Et qu'il y a un stock, ils stockent sur les véhicules noirs pour les prendre à banaliser. C'est vrai. Alors, c'est vrai, mais pas tous. Voilà, le problème c'est que... Ouais, ils prennent les noirs. Vous voyez l'ombre qui avance sur moi derrière? Pas de bordel. Et le soleil, les gars. Le soleil est en train d'avancer, vous le voyez sur les pavés. Au sol. Regardez, vous voyez le soleil avancer sur les pavés. Eh, ça c'est pas ouf ça les gars? Ça avance vraiment, hein. Regardez. Bref. Blablabla, donc quand on l'a dit, ne saute pas sur toutes les voitures noires. Il saute autant que les autres sur les voitures noires. Du coup, Yo Valden. Oh, un ripou. C'est amusé. Il devrait y avoir un budget alloué par le gouvernement. Mais ouais, non, mais ça, c'est ce que je leur ai dit, Packraft TV. Moi, je trouve ça aberrant que les mecs aient, n'aient pas de budget, ou alors que ce soit gratuit, tu sais, comme les mecs quand ils prennent leur service, ils sont tout de même whitelist, enfin voilà, tu vois. Ce qui est à l'intérieur de la gendarmerie devrait être gratuit, à part la bouffe. Allô, y'a quelqu'un, bordel? Vas-y, rends-moi ça, putain, bordel de... Change un peu bordel, jamais j'ai à bord. Ah, parfait. Ah bah c'est pas fluide poteau, c'est normal que ce soit pas fluide. C'est normal, c'est comme un cerveau le matin, la fluidité elle est restée dans le lit. Que la carte est belle, bordel. Aïe, celui-là il pique les yeux aussi. J'avais vérifié si on a toujours l'Audi RS5 de Monsieur Dungay, tiens. Qu'est-ce que j'ai comme voiture dehors, moi. Ah, tout ça c'est au check-out, c'est sûr. Monsieur Valden n'est pas un ripou, au fait, pour ceux qui disaient ça, c'est pas gentil. Il nous a jamais trahis. Hein. Il est tout à fait droit. Ne nous trahis pas, monsieur Valden, bordel de cul.
T'es un déconneur. Ce bateau, ça fait des semaines qu'il est là. J'ai failli taper en yacht la dernière fois. Mais taper, hein. On n'est pas d'accord, Packraft TV. Valden, il est droit dans ses chaussettes, il est pas ripou, il nous a jamais trahi. C'est comme la dernière fois, c'est Tana qui disait à Metal, Metal disait oh, un grand vilain ou je sais pas quoi, ou quelqu'un disait sur le live à Metal oh, un grand méchant quoi. Bah, c'est relatif. Tout dépend de quel côté de la barre tu te situes. On est d'accord. Je comprends plus les, rampou- les ripou. Non, Canox. Il y a ripou et ripou. Vendre des armes de la gendarmerie, les donner, donner du stuff, d'équipement, des trucs comme ça. Ça c'est. Merci Garmoon 333 pour le follow. Bienvenue à toi, poteau. Bordel de cul. Bordel de cul, ben. Donc tout ça c'est interdit, forbidden. Tu prends même un ban là, c'est vraiment. Après, j'ai appelé ça du ripou modéré. Quelqu'un qui t'aide parce que tu lui as mis une pression, parce que il a un intérêt à t'aider. Parce que vous avez des convictions qui sont les mêmes ou ce genre de choses, ah, ça s'entend, tu vois, y a pas de problème avec ça. Il faut savoir que Valden, par exemple, ne nous a jamais donné de compte-rendu de rapport, ce genre de... Oh, j'ai... Ah voilà, ce genre de choses, donc non, là-dessus... Ah, pas de soucis avec ça. Ah, c'est ça. T'as des mecs qui font de la merde. Et t'as des gens qui font des actions construites. Comme nous, quand on s'occupe de gens, c'est construit. C'est. Vous savez très bien, on s'attaque pas aux travailleurs légaux. C'est hors de question, c'est interdit. Vous nous verrez jamais. Braquer un mec qui travaille de façon légale, à moins que ce mec là on le recherche pour une raison X ou Y et qu'à ce moment là il soit en train de faire un truc légal. Ah, mais dans tous les cas on s'en bat les couilles, voilà. Voilà, braquer au diamant, faire des choses comme ça, braquer au bois, à la pierre, des trucs comme ça, ça nous intéresse pas. Donc ça vous nous verrez jamais le faire. Voilà. Le principe du ripou est un peu le même. Oula, attends. Le téléphone en silencieux et tout. Bon. Déjà, on va commencer par le début. SMS. Donc, coca, blablabla. Ah, ça c'est bon. Coca, c'est ouvert. Hein. Couper des têtes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Brenglog, il est tombé sur la rediff que j'ai mis sur sur le Ritz, bordel, sur le Discord de la commune. Normalement, vous avez la rediff précise à 1h57, je crois que c'est. Où le mec nous explique qu'on coupe la tête, qu'on donne la tête aux gendarmes, le corps à la famille, mais qu'avant ça, on te torture en coupant tes couilles, en les posant sur ta tête. Puis c'était un putain de moment Nutella, ce mec. Un flocon de fraîcheur. Elle est énorme. Elle est sur le Discord, les gars. Elle est sur Discord et vous tombez pile poil au moment où il faut tomber. Hein. Non. Merci Jojo le bot. Toc toc toc. Un reste de soupe tranquille. C'est bizarre, non? Pas vu de bateau. Je
maintenant je suis un peu fou d'aller faire de la coke tout seul, mais j'avais ça sur moi, autant le faire. Chelou, hein. Là, c'est le fameux mec qui vient bosser quand il est sûr qu'il y a personne et dès qu'il voit un nonon sur le... Il voit un nonon sur le truc, il déco, tiens. Je crois qu'il y avait des bruits de pas, poteau, mais concrètement, je crois qu'en fait, c'est, tu sais, la colline, quand tu marches, elle s'effrite. On va rester attentif. Sait-on jamais. Ah, le mec a dû aller dormir. C'est clair. Un mec adorable, hier. Un mec franchement adorable. On s'est vraiment marré avec lui. Putain, ça chasse fort derrière. Le mec était adorable quand même, hier. Adorable mec. Imagine la vue qu'il faudrait avoir dans la vie pour voir comme ça. Pour avoir des yeux sur le côté de la tête là. Ouais, le mec d'hier. Magique, mon Nutella. 46 heures, putain, mais va dormir un peu, bordel. Je sais combien moi d'heures de live, tiens. T'as regardé 10% de mes lives. Depuis que j'ai ce bot là. Parce qu'avant forcément ça pas enregistré. Alors du coup je remercie celui qui m'a donné des cheers hier parce que sincèrement je ne sais pas ce que c'est. Et donc Canox, on voit que t'as été absent longtemps. Bah ouais. Ah bah celui qui m'a plus regardé là, qui est là, ça doit être Forex s'il est encore dans le coin. Je pense que Forex. Je pourrais vous foutre le rank, hein. C'est un truc que je pourrais faire, mais. Je sais pas comment ça fonctionne. Le top hour. Owen. Owen 46. Et. PageWent. Ils sont là souvent, oh my god aussi, Mezu, Kiwi Fruity, ils sont là souvent et qui parlent pas beaucoup. Ce sont des gens qui ont beaucoup regardé, ils sont à plus de 200 heures les potes. Enfin, plus de 200 heures. Je sais pas s'il y a une commande pour voir, voir ça. Dans les ranks, en fait, ça te donne Bin Bébé, Bin Potter, Bin Barracuda, Joker 007, Sparrow, Touriste. Mais ça a été remis à zéro, c'est aussi, pardon. Bref, on s'en fout. Il y en a qui ont bien buté le live.
pas s'il y a une commande. Et c'est des mecs qui sont là tout. Et je... Yo Kikimi, yo. Bah Kikimi c'est oui non je sais pas. Nuance, j'ai été en jeu. Ah peut-être, ouais peut-être Canox, peut-être, peut-être, peut-être. Ici, il y en a qui jouent, il y en a qui jouent. Par exemple, Kiwi Fruity, il est là, on l'entend pas forcément, mais il est là. Je l'ai chez Birdel. J'observe, il a des yeux partout. Oui, oui, carrément. Moi, je suis un petit peu dégoûté. C'est un. Tu vois, Ju, Roro, c'est un peu un flocon fraîcheur aussi, c'est pareil. C'est un mec, tu le vois en stream, il se prend pas la tête. Il peut être très drôle. Excusez-moi si j'ai réveillé quelqu'un. J'ai glissé sur la gâchette, bordel. Ouais, c'était un tir de Soma, si on vous demande. Et ouais, je suis déçu pour Sako, surtout que même en 4G, visiblement, il est dans la merde. T'imagines si je regardais ton live de 100h? Mais je sais, bordel de cul! Je sais, putain de bordel! D'ailleurs, Canox, si tu n'as pas regardé le live, va sur le Discord. Tu regardes photo, vidéo et clip, et tu regardes le dernier post. Ce mec là est un bijou. Un bijou. Il parle de vous. Il parle de vous. Parce que le mec, écoute, hein, le mec est vraiment. Tu sais, t'as des mecs, on en parlait hier. T'as des mecs qui se réveillent à 4h pour aller farmer. Qui se réveillent et qui regardent si tu es connecté. Si toi, t'es connecté pour savoir que si t'es pas connecté, ils peuvent aller faire de la weed. Et s'ils te voient, ils retournent se coucher. Ce mec là. Se réveille à 4h, 4h30 pour aller farmer en se disant que tu n'es pas là parce qu'il ne sait pas qui touche à la coque ou qui touche à la weed. Il se réveille exprès pour aller travailler en dehors des heures de travail normales des autres en se disant j'espère que ces gens ne sont pas là. Je vais aller fermer le volet. J'espère que ces gens ne sont pas là parce qu'il les connaît pas. Donc ce mec fait ça. Si tu veux, c'est pas malsain. Il est vicieux, tu vois. Et ça, c'est juste énorme, poteau. C'est énorme, mon gars. Le mec fait ça en se disant putain, je prie qu'à 4h il se soit pas réveillé, c'est con, parce qu'il connaît pas qui c'est. Et va voir sur le Discord, c'est le dernier mec, tu vas rire. Ah, ce mec là, c'est... Moi je vous dis franchement, hein, il m'a sifflé hein, sur place, hein, j'étais... Ah. C'est pour ça que j'ai pris du temps avec lui, hein. Pour ça que j'ai pris du temps avec lui. Salut Quentin Tellio. Ah potent. Il y va. Et advienne que pourra, c'est ça. Yo Le canard unijon beast, bordel. Ça peut être chiant ça, tu marches comme un sur le bec, sur la queue. De la famille. Donc ce mec il va de bon cœur et c'est juste magnifique quoi. Juste magnifique. Je vais t'envoyer le lien. Tous les mecs qui veulent pas aller sur Discord parce que vous avez la flemme ou que vous êtes sur le téléphone. Hop. Merci le canard unijambis pour le follow poteau, bienvenue à toi. Bienvenue bordel. Ah et donc ce mec était juste magique les gars quoi. Le mec il t'explique. Le mec en fait il pense qu'on est nouveau. Donc il nous aide tu vois. Parce qu'en fait je viens de perdre 6 points sur mon permis. Il m'en reste 3. Et je repasse un stage tu sais.
pour prendre des points normal quoi. Et le mec nous voit dans la voiture pour passer le permis. Donc il est à côté de nous hein, tu vois. Et il passe devant en disant ouais blabla, je sais pas, il fout la merde tu vois. Encore merci pour le follow Canary Jones. Et le mec nous dit ouais les mecs vous venez d'arriver etc on tombe sur un truc comme ça vous nous connaissez, on est des enculés hein. Bah ouais ouais. Ils viennent d'arriver bordel, explique nous un peu la vie. Yo méprise photo. Et ouais d'accord Canox, je sais je l'ai appris en RP et on en a discuté en HRP encore ce matin. Et donc, bah manque de peau, t'as un lien privilégié avec le cartel, donc tu sais si c'est vrai ou pas, tu peux le vérifier très rapidement. Et donc, ce mec fait un demi-tour en voiture devant nous, et il tape la bagnole d'auto-école, il nous pète les roues. Et moi j'étais avec Zazu et avec Smoke, les deux mecs que juste tu les regardes, ils s'énervent, tu vois. Ils sortent avec la batte et tout, l'autre sort avec le gun, l'autre avec la batte, ils veulent aller le tabasser. Et moi je gueule, je dis non, arrêtez. Et du RP quoi. Et ce mec court vers la voiture, il nous dit excusez-nous, je vais vous réparer la voiture, excusez-nous et tout. Il nous répare la caisse et on lui dit bah écoute, tu sais quoi, tu vas monter avec nous. T'es nouveau, tu veux nous raconter des trucs, viens, monte, je vous explique. Et donc le mec monte avec nous dans la voiture. Mais un petit bijou des familles, tu vois. Et là dans la voiture, il nous explique il a vu qu'on avait un Glock et tout, il fait voilà, ouais, vous avez des armes et tout. Et et là on lui dit bah ouais on l'a acheté à un mec 6 000 € avec une cagoule et 3 chargeurs. Et là il fait oh putain les gars faites attention. Il y a des gens qui gèrent ça. Si vous balancez le mec, si le mec vous balance, ils vont vous attraper. Lui et vous et celui qui vous a vendu le truc tout, ils vont vous couper les couilles et après ils vous couperont la tête, ils vous mettront la tête à la gendarmerie, ils enverront le corps à votre famille. Et là on lui fait mais comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et le mec nous dit, oh ouais, non, c'est eux qui contrôlent ça. Si vous le faites, c'est une famille super puissante et tout. Ils vont vous tuer, cherchez même pas. Nous, au début, on sait pas de quoi ils parlent. Ah ouais, et tout. Ça a l'air d'être des fous et tout. Ouais, ouais. Alors en fait, c'est un site, vous pouvez aller sur le site. Et donc là, on commence à comprendre qu'ils parlent de nous, tu vois. Et d'ailleurs, moi, je coupe le micro parce qu'il y a des fois, j'arrive plus à me tenir. Il me dit, vous pouvez aller sur le site. Mais par contre la carte c'est une fois par mois, il faut payer 15 000 € et puis là on était sûr que c'est nous. Et en fait le mec nous déballe des choses. Et quand vous faites une banque Mactix, franchement on en a pas besoin de faire une banque poto. Pour le RP, yo Mezu poto. Pour le RP on pourra en faire une pour attirer les condés si tu veux mais ça va mal finir alors. Et du coup le mec en fait nous raconte notre histoire en fait si tu veux. Il sait pas que les gens qui parlent, des gens qui lui font si peur que ça, en fait, ils sont assis avec lui dans la bagnole, tu vois. Et du coup, on parle et tout, et le mec était adorable. Et à la fin, sur TS, on lui a dit la vérité, on était obligé, tu vois. Mais franchement, c'était un flocon fraîcheur, ce mec, voilà, c'est ça. C'est... Ce mec était un bijou du RP. Un bijou du RP, on s'est régalé avec lui. Il était très gentil, il voulait nous aider, il nous a prêté sa Laguna. Il nous a prêté sa Laguna, le mec, bordel. Et voilà, c'était... On lui a dit, reste naturel, mon gars. Va pas regarder les lives. Ou alors fais la part des choses, tu vois. Mais il était tellement bien à jouer, tu vois, ce mec. Il avait toute la fraîcheur d'un mec qui vient d'arriver, qui entend des choses, tu vois. Mais c'est pas exactement ce qui se passe. Ouais, sur TS, ouais. Ouais bah carrément, on sait qu'on fait peur mais en t'entend ça tu te dis wow, il coupe des têtes, il donne la tête aux gendarmes, le corps à votre famille, il enlève vos couilles, enfin c'est chaud tu vois. Et ça a fait super plaisir, ça dit, ça fait super peur aussi. Tiens, ça fait déjà une heure qu'on est en live les gars. On va changer de musique. Donc ouais un super moment de Nutella quoi. Pourquoi j'ai pas enregistré cette playlist de merde là avec Je vais la chercher sur YouTube. YouTube, dessine-moi une chanson s'il te plaît. Ah tiens, on va prendre celle-là.
S'il vous plaît. Import song. Add song. Remove. Yes. Add. To the queue. La musique est pas trop forte pour vous, les potos? Ouais, magique. Un bon moment. Pouvoir de la légende urbaine, c'est ça. Sauf que franchement, c'est exagéré. Allez au mariage de Jack Day. Matix, si tu regardes la fin de mon live hier, les deux dernières heures. Fin de mon live, les deux dernières heures. Que j'ai upload ce matin sur, sur YouTube d'ailleurs. Le mariage a fini chez nous en fait, à la boîte de nuit Red Light. Après ils sont allés en ville, etc. Bon, moi, le troll urbain m'intéresse pas vraiment. D'ailleurs, quand on est arrivé en ville, que j'ai vu que je tournais à 15-20 FPS, j'ai coupé le live, ça m'a gonflé. Donc voilà. Donc c'était assez sympa. Assez sympa. On m'a dit qu'il y a une grosse famille qui allait arriver sur le serveur. J'ai vraiment très très hâte qu'elle arrive, histoire qu'on rentre dans un conflit RP, hein, pas gunfight, dans un conflit RP, de la négociation de civil si tu veux, d'équipement, de position, tu sais, un placement intelligent, que ce soit avec des gens qui travaillent pour toi, avec des villes, des voitures, etc., pour par un jeu d'échecs arriver à prendre la possession de certaines choses. J'aimerais beaucoup. J'ai monté le son, moi, de la musique. Tac, 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 tac. J'ai plein de photos du mariage aussi. Je voulais faire un album photo, puis on verra. On verra, parce que... En RP, je peux pas le faire. Jack nous a mené en bateau, nous a prévenu 10 minutes avant de venir. Alors que la journée, il aurait pu nous confirmer. Pas mal de choses qui ont fait que en RP, Monsieur Dimitriev m'a énervé hier. Je lui en tiens pas rigueur, hein, il m'a juste énervé. Et surtout, il a dit ouais, je vais vous payer, et puis il nous a fait aller jusqu'à Palais alors qu'il devait aller ailleurs. Nous, on avait d'autres choses à faire. Voilà, c'est tout. Donc, je lui ferai pas ce cadeau. En RP. Après, HRP, je le ferai comme ça. Moi, bordel. Hop. On fait ça, on ira faire toc 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 quand même. On est pas là pour beurrer les tartines, hein. Hier, exactement, BRB59, c'était son mariage hier. Ah. Et ils ont terminé au Red Light. Ils étaient j'ai des photos, ils sont une bonne trentaine facile. Et j'ai des photos, ils font la queue le dans la boîte. On avait posé à chaque poteau sous la tente des litres d'alcool, de boissons, des fruits. Ouais, c'était la merde en voiture. 20 voitures, ouais, donc il y avait ouais, 30-40 personnes. Et c'était vraiment sympa. Sauf que nous, on a tout fait à la dernière minute. En plus, quand on l'a fait, j'ai démarré la Chiron. Smoke est descendu de la voiture. Il s'est fait envoyer. Il a volé dans un arbre. Il a fallu appeler les pompiers, etc. Enfin, c'était un gros bordel de cul. Voilà.
Là, je suis dans la mouise, je me suis réveillé, plus de bateau dans le garage, je me suis retrouvé à poil, plus de voiture à côté, je me suis endormi à 3h. Ah ouais. Ah. Si t'as plus de bateau dans le garage, tu dois avoir accès à. Ah non, si c'est un garage bateau, donc t'as pas accès au bateau. Effectivement. Effectivement. Ah, ça y est, c'est fini. Hop là, bon, ça en va les copains. On s'en va. Des chances qu'on fasse une vente ce soir parce qu'on a on a pas mal de kilos. Aïe, putain. Mais parmi les disques dans. Aïe! Mon garage. €800 000 salette! Alors qu'on vous calme, vous commencez à gagner un peu trop votre vie là. Je déconne, hein, Canox, je déconne. Quel toi, Canox? Pepito, Bambino? Plastico? T'as des clés de tes véhicules? Ouais, fais Y, là. Tu check si t'as des clés. Moi j'ai toujours des véhicules dehors. Toujours. T'as pas de clés, ok. Ok, t'as des larmes ou pas qui peuvent couler? Je déconne. Penche-toi quand tu descends, ouais c'est vrai. C'est quoi comme bateau? Donc concrètement t'as pas de voiture parce que les voitures sont dans ton garage, mais t'es pas à côté d'un garage voiture. Pardon, et t'as pas de bateau parce qu'il s'est barré. Et du coup t'as plus de bateau. Si j'ai des clés, je viens de vérifier, c'est la merde. Bah si c'est un racer, il est quelle couleur? Il est quelle couleur et tu l'as laissé à quel endroit? Concrètement il a dérivé, hein, je te le dis la vérité. Cherche même pas plus loin, il a bien dérivé comme il faut. T'as pas vu tout à l'heure, on vient d'en croiser un, ça fait 15 jours qu'il est là le truc. Ah mais s'il est sur une île, y a pas de taxi poto. T'es sur une île ou t'es sur la grosse île? Le truc c'est que si ton racer il dérive, Momo dans la mer il passe pas. Il a trop peur de l'eau, il sait pas nager. Donc il va rester où il est ton bot. Hein. Appelle un pote, BRB59. Et l'appelle à un ami. Ah t'es sur la grosse île, bon ça va là. Sur belle île quoi, là où il y a palais et tout, t'es pas sur la grosse île ici, t'es sur celle-là là. Je vous ferai un petit stream en 4G cet après-midi pour avoir de la bonne qualité là. Ouais bon bah ça va. Ça va si t'es là-bas, poton. Je sais pas, poto. En fait, si le bateau il est amarré, enfin, s'il est contre la terre, il rentre dans le garage au bout d'un certain temps. S'il dérive au milieu de la mer, il reste au milieu de la mer. Alors attends. S'il dérive au milieu de la mer, non, s'il dérive au milieu de la mer, il rentre au bout de 2 ou 3 reboots. Par contre, si tu coules avec le bateau, si tu coules, il reste. Il remonte là où il a coulé et il s'enlève pas. Et d'ailleurs vous allez voir, il y en a un juste là-bas, on va le voir. On a un juste là-bas en face. Là. Essayez de pas taper dedans. Hein.
Ah, j'ai deux balaclava, c'est chelou, c'est quand même. Bah en fait, ouais, carrément, si c'est un racer, tu vas voir, hein, je te dis, il y en a un là. On va essayer de le trouver, mais... Enfin, moi, je vais essayer de trouver celui-là, en tout cas. On va essayer de pas rentrer dedans. Cadeau du docteur Lowe. Tiens, regarde, il y en a un là, tu vois. Ça, c'est un mec qui a coulé à l'endroit précis où il y a le bateau, je pense. Ou alors son bateau a dérivé. Tu vois ? Il y en a un autre là-bas derrière encore. Tu vois ? Oh putain. Donc ça fait déjà deux. Moi je suis celui qui t'avait. Ah, monsieur Baumgartner. J'ai toujours l'orthographe. L'orthographe. J'ai toujours l'autographe, monsieur Baumgartner. T'en as deux qui ont coulé, poteau. T'as pas de chance, toi. Putain, c'est incroyable. Merci Rootbeer pour le follow, poteau. Bienvenue à toi. Bienvenue, bordel. Un coulé, un dérivé. Bah, le coulé, tu sais que tu peux le récupérer là où tu as coulé. La pollution maritime. C'est clair. Le coulé, tu peux le récupérer là où tu as coulé. Complètement. Et l'autre, tu peux le récupérer en cherchant. Je vérifie juste. Savoir qu'une boîte de haricots vous régénère comme une grande bouteille d'eau, c'est à dire que quand vous mangez des haricots, vous reprenez toute votre nourriture. Une voiture là, j'ai pas de lockpick. Bon, ah ouais, 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 tu peux. Moi j'ai passé une petite commande pour chez moi. De boîte et ça me fait chier, je kiffe trop la boîte. Kiffe la boîte. Il y a déjà du monde qui est passé, les gars. Bonjour, bordel, comme un chaval et louloute. Bah, y a pas grand monde, hein. Alors, voyons, voyons, voyons. Voyons déjà s'il reste des véhicules à nous. C'est ça, bordel. Hop, ici, rechoisis. C'est un peu cher, ça. Pas la romain. Speeder cushion, speeder cushion. Ça, je garde, ça, je garde. Ça, je vais prendre un petit quatre. Oh, bordel. Bordel, c'est la seule 4 places qui me reste. Je vais la garder. Bordel de cul. Bonjour, monsieur Bordel. Réaliser ton rêve. Tu veux que je te montre mes fesses? Non, je déconne. Salut, Mistream, dis-moi. Tu peux utiliser un casque de moto pour braquer à la place d'une cagoule? Je sais plus s'ils sont fermés ou pas, poteau. Je crois pas. Si tu prends un casque et un bandana, tu peux, ouais. Le bandana, il te cache le bas. Le casque te cache le haut. Mets des lunettes, ça passe. Et sinon, non, on braque avec un casque, c'est choquant. Je peux pas te donner mon livret, c'est, il est pas à moi.
Bonne journée, monsieur. À au plaisir, bordel. Je peux pas te donner mon livre essai. D'ailleurs, on va aller voir parce que ça m'énerve. Je perds des sous. Moi. Bref, on s'en fout de ça. Chance, sortez couvert. Ouais, carrément, la taille de la GTR, faudrait l'augmenter plutôt, y'a même pas photo. Voir, t'as combien? Oui, si tu veux. Mais je te dis, les sous qui sont dessus ne sont pas à moi. Je dois encore une paye, 161 000 euros, je dois encore. Ah, c'est que j'ai sur le C. J'avais MacPool, poteau, c'est la vie, le MacPool. La lampe torche et un viseur avec des lumières dessus. La meilleure chose à côté, c'est le PDW. Mais qui est moins stable. Et le PDW, t'as pas la lampe torche. Le MacPool, t'as la torche dessus, poteau. C'est juste énorme. Yo, Martin, comment ça, poteau? Donc, voilà. Donc, lui, voilà. Lui. Ah, tu vois, putain. Mais qu'est-ce que. Ah non, mais je viens de payer, faire la commande. Donc, 11 750. 11 000. Non, je me suis trompé, je suis sûr. Et là, je dois 161 000. Bah cool, fait 0 dégâts. Tu sais pas tirer, alors. Ça va, Martin. J'ai couché des mecs au Mac Cool, moi, perso. J'ai le MP7 aussi, que j'ai là, d'ailleurs. Quand je sors la journée, j'ai le MP7. Quand je sors le soir, j'ai Mac Cool. Mac Cool tire très très bien. Il fait des dégâts, pourtant. Ce qu'il y a, c'est que dans Arma sur ALF... Par contre, je crois que j'ai plus la carte. Arma sur ALF, tu mets une balle, t'es mort. C'est pas le... Le dégât est pas... En fait, tu mets un certain nombre de points de vie en moins. Les dégâts sont pas... Ouais, fais un face à face, je lui ai tiré dans la tête, ça a rien fait. Ah, mais t'étais à combien? T'étais à combien? Ça lui a rien fait, c'est chaud quand même. Moi, j'ai déjà couché des mecs au MacPool, hein. Après, c'est vrai que la MP7 fait plus de dégâts, ça je suis entièrement d'accord. Y a même pas photo. C'est ouvert là. 2 cm! Oh. Ah, mais attends, est-ce que t'avais ouvert la crosse? Si t'ouvres pas la crosse, ça fait 0 dégâts, poteau. Je sais même pas si tu peux tirer d'ailleurs. Si tu fais pas F pour déployer la crosse, tu as beau tirer. Ça ne sert à rien. Et ça, faut le savoir, c'est l'astuce. Je vais te montrer. C'est passé au travers, c'est ça. T'avais déployé la crosse ou pas, Canox? J'ai bu mon café déjà, putain. Je vais te montrer. Ah putain, j'ai encore un scout. Pourquoi c'est mes amas pour... Pourquoi je peux l'assurer? Alors, une, deux, trois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que j'ai plus comme match? Ah oui, la BM noire, je l'ai filée à ce mois. Donc je peux assurer celle-là. Assurer. 9005! Ouais, putain! Oh, on est sa mère, hein, je l'assure pas. Bah cherche pas, c'est ça poto. Ne cherche même pas, ne réfléchis pas. C'est pour ça que ça fait 0 dégâts. Si tu ne fais pas F pour déployer la crosse, l'arme fait 0 dégâts. En plus tu vois la crosse hein, qui se déploie. On y va là, je vais te montrer poto.
Cherche même pas à me prendre bordel du cul, c'est comme ça que ça se passe chez Macross. Putain, je fasse l'essence du sprinter. Pas de paix, poteau. Ouais, c'est ça. Tire dans le vent. J'ai un pneu. Un pneu aussi. Aïe! M'a ouvert la porte sur la gueule, bordel de cul! Aïe! Quelle est la sortie ici, bordel? Ah ouais, je comprends pas que tu le jettes, poteau. Il tire peut-être. Il a peut-être moins de. Merci. Il a peut-être moins de débit que. Que le MP7, ça reste à voir. Ça reste à voir, mais après, il fait autant de dégâts, poteau. Autant de dégâts. Parce que sûr. Merci SkyChannel pour le follow, poteau. Bienvenue à toi. Bienvenue dans la famille, bordel. Bon, ma première voiture sur le serveur, la première voiture que j'ai eue quand il était en bêta, ma toute première voiture, c'était ça. Encore merci Sky pour le follow, bienvenue à toi, poteau. Une biscotte bien beurrée, hein, putain, celui-là. Castoc, tes biscottes de merde. Ça, c'était ma première voiture. Par contre, je vois plus la différence entre le rouge et le rouge foncé. Enfin, peu de différence. Ouais. Je vais dire, s'il y en a une, j'achète. Ah. Ah. Oh, c'était tentant quand même, hein. Ah, c'est trop voyant le rouge. Je la prendrai en noir si je la prends. Non, je reprendrai une BM. On va aller voir BM, tiens d'ailleurs. Il y a eu un restock pas depuis longtemps, enfin, pas depuis ce week-end. Donc on est presque à la fin de semaine. Et donc non, pas de restock. Enfin, pas depuis en tout cas. En revanche, je devrais toucher mes 700 000 euros sous peu. Donc je suis content. Aïe, parce que on doit aujourd'hui. Oh putain! Aujourd'hui on doit. On doit 1 million. On a payé 700 000. On doit 1 million 7. On a 1 million 7 aujourd'hui. Donc il va pas me rester grand chose, tu vois. Donc je pense qu'on va faire une vente. Ouais, le gris aussi peut être sympa. Ouais. Le gris peut être sympa. Je préfère toutefois les BM, même si elles font un peu trop de bruit encore. J'en ai déjà un comme ça. 2012. En bleu, elle est très très belle. En vert aussi. Ah, j'ai presque envie de m'acheter celle-là. La Maserati va plus vite. C'est... Vous savez quoi? Mais non, mais j'en ai une, la Maserati. Une le casse pas le testum, bordel. Je vais prendre l'OPC pour faire du sale, des plaqués, etc. etc. On va se faire chier. Non,
c'est appréciable le matin quand il n'y a pas grand monde là, que tu tournes à 60 FPS, un truc comme ça. En plus grand des calmes. Rien freeze, rien, dans une ville. Hein. Ça, c'est du bonheur. Hein. Bon, j'espère qu'il n'y a pas Monsieur Cat. Sinon, c'est la perte de points assurée pour moi. Ce soir, c'est les vacances scolaires. À partir de la semaine prochaine, il y aura mon fils avec moi en live, bordel. Bon, je déconne, je le mettrai pas sur le live. Du coup, je ferai peut-être moins de live, genre moins de live l'après-midi, je pense. Autant de live le soir, ça c'est certain. Et moi, je me remonte mes lunettes que j'ai pas sur mon nez. Autant de live le matin, mais plus de live l'après-midi. Peu. Moins. Pas plus. Moins. Déjà, il commence à vouloir jouer à GTA, tu vois, ça me fatigue. Il a 5 ans et demi. Papa, je veux jouer à GTA comme les cousins. Ah, mais t'es... Il a dit que le hasard faisait pas bien les choses. Je viens de trouver un pneu juste ici. Monsieur, vous avez pas des pneus? Tiens, c'est intéressant tout ça. En façon. Et donc l'autre jour, on a perdu Momo, les gars. Il était à un endroit, on y est retourné, dans la même tempête, et il y était plus. Un truc de fou, quand même. Une cagoule et un masque à gaz. J'ai des problèmes pour respirer. Pour ça. On vous demande quoi. Yo la weed, comment ça poto, bordel de cul? Bordel de cul! Un peu un amalgame que le dealer s'appelle Momo. Ouais, on l'appelle Jean-Eude aussi de temps en temps. On l'appelle Jean-Eude. On l'appelle Jean-Eude. Mais moi, y a pas que le dealer, hein, si tu regardes, hein, qu'il s'appelle Momo. Le mec qui ramasse les voitures, etc. Le mec qui sort. Le mec qui sort ta voiture du garage, etc. Salut Florian. Comment ça va? Tous les mecs qui sont des PNJ s'appellent Momo. C'est des Momo pour moi. De la drogue, qui te vendent à manger ou. Celles qui sont à l'entreprise, c'est Babette. Celle qui est à l'entrée de l'entreprise, c'est Babette souvent. Voilà, il y a des trucs comme ça. Ne demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, bordel, Luc. Voilà. Mais tu sais que nous, dans le groupe, il joue plus avec nous, c'est malheureux parce qu'il avait un. Moi j'adorais son RP. Il y avait Maurice Paca, qu'on appelait Momo.
Et je te jure qu'en plus il était un peu typé, donc tu disais c'est Mohamed quoi. Mais non, non, rien à voir, un mec s'appelait Maurice. Maurice Paca. C'est magnifique quand même. Oh bordel. Oh bordel, il roule bien ce, le 22 sans le pneu. Ah moi ça. Par l'occasion. J'aurai de la place pour ranger mon masque. Quand je pense que j'ai cherché pendant une heure sur le servir pour pas mourir de faim. T'as cherché quoi, Bringlol? Momo? Ah, aïe. T'as cherché des momos? Ah bah surtout que les momos changent d'endroit tout le temps donc Et alors fais attention, hier comme je t'ai dit, il y a un moment donné où Momo a disparu. On ne sait pas pourquoi, il était plus là où... à aucun endroit. On est allé le voir à un endroit où il était. On y est retourné le voir pour acheter des seaux, il était plus. Un scandale! Non, un truc qu'il n'y a pas à dire, mais je le cherche tout seul. Au moins, c'est grave. Le mec pour les plaques? Mec pour les plaques? Mais. Assez rémunéré ce. Pas assez rémunéré. Momo a fait la grève, ouais, c'est clair. Et donc, c'est quoi? C'est le mec des plaques que tu cherchais, poto? Ouais, les mecs des plaques en live, vous me verrez pas y aller. Hein. Trop sensible, je veux pas. Ah, Bringlol est antiquaire, ok. Tu sais que ça y est, nous on a deux cupidons maintenant. On va les vendre hein, bientôt. Hein. On va les vendre, on va les vendre. Je vais vous le montrer d'ailleurs. On va les vendre sur la boutique exotique. Déjà là, on est vendredi, donc ce soir normalement, il y a de fortes chances qu'on rajoute un truc du genre. Ou oh, peut-être ça. Sinon qu'on rajoute le taser ou un truc comme ça. Je m'étonne qu'il était ruiné. Ah, c'est moi qui l'a dormi ici. Ça c'est mes caisses, on dirait un camp de gitan le truc. Ça sert à quoi la boutique exotique? Je vais te montrer BRP poteau. La boutique exotique, elle te sert à acheter des choses que tu ne peux pas acheter ailleurs. Je décharge mes seaux et... Si, si, bien sûr, Canox. Bien sûr. Et ça s'achète relativement cher, c'est relatif, mais ça s'achète relativement cher. Je vais faire la merde, hein, je pense. Ouais. Montre pas ça. Un lol. Tiens, qui c'est qui voulait voir pour la boîte là? Je me rappelle plus. Ouais. Je te montre pour la boîte. Tu regardes? Regarde. Comme ça, tu peux pas tirer. Alors ça allume, ouais, y a pas de souci. Mais tu peux pas tirer. Par contre, si tu fais ça, tu peux tirer. Tu vois? En fait, y a un cran qui est devant qui s'enlève quand tu fais ça. Regarde. Ah, bien. Hop, tu vois? C'est comme ça. Ton truc pour tirer, il tire pas. La sortie du gun, elle est fermée. Tu le vois bien? Et c'est simplement pour ça que t'as pas réussi, tu vois? Y a un truc qui cache. La sortie du flingue, quoi. Le canon. Donc tu ne peux pas tirer. Tu pourras essayer hein, autant que tu veux. Ah,
Alors, je vais essayer. Hop, quitte à me faire baiser encore une fois, McPool. Et voilà, il se met à cette place-là, et du coup, tu perds l'autre. Là, putain, c'est mort, ça m'énerve. Si tu pas dans le sac, c'est mort. Encore perdu à McPool. Si je fais deux par deux touch, c'est bon. Envie de me refaire baiser. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai trouvé mon bateau au milieu de l'océan, j'étais à la nage. Je te l'avais dit, BRB. Alors, je vous montre des reliques. Rien. Ça, c'est des reliques classiques. Des reliques classiques. Il y a des anciennes, des légendaires et des... Je sais plus. Et ça, c'est si tu fais la quête... Je vais pas vous dire. Enfin, celle-là, on peut la trouver qu'à un seul endroit en faisant certaines choses. Voilà. Celle-là est très très belle et très très grosse et elle vaut cher. Voilà. Concrètement, en fait, tu prends une table et tu la fous au milieu de la table. Si tu la poses par terre, elle reste, elle bouge pas. Enfin, si je la laisse là, elle reste là, elle bouge pas. Elle est belle, hein. On va foutre ça dans l'angle des escaliers, c'est sympa. Si. Dans l'autre sens. Comme ça. Bref, on s'en fout. On va les mettre en vente bientôt. Ça sert à décorer les maisons, tout ça, tout ça. Et donc, le site de la boutique exotique, je vais te montrer. Ça sert à quoi ? Tu peux te faire des sous, tu peux le vendre très très cher, d'accord ? Une somme avec 5 chiffres, et ou même 6, je sais plus. Et concrètement, à quoi ça sert ? Ça sert à décorer si jamais tu ne veux pas le vendre. Ensuite, pour en revenir à la boutique exotique, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, la boutique exotique, c'est ça, c'est quelque chose qu'on vend à la ZUP. Excusez-moi. Donc à la ZUP, on vend le mot de passe. Donc à la ZUP qui est située à Ussel, c'est ce qu'on met dans nos annonces. On vend le mot de passe pour accéder à ce site internet. Mot de passe que tu rentres ici. Quand tu es là, tu as accès à certaines choses qui s'achètent sur le bon coin, comme ça, sur le black market. Donc si vous n'avez pas le black market, vous pouvez venir chez nous. Si vous n'avez pas envie que ça sonne ou quoi que ce soit, vous pouvez venir chez nous aussi. Ça c'est pour braquer la banque. Ça c'est de l'or, ça c'est de la weed, ça c'est de la coque, ça c'est les masques, ça c'est les casques, ça c'est le sac à dos invisible de la gendarmerie, la doudoune, le grand froid, etc. etc. Ces trucs là, les prix changent de façon assez régulière, le stock change de façon très très régulière, et de même on rajoute des choses presque tous les jours. Je range ma casquette de bûcheron, je vais creuser. Bon courage. Eh ouais. Trouver les reliques, c'est la base. On a passé énormément de temps à ça, comme on a passé énormément de temps à chercher les dealers. Comme on a passé énormément de temps à chercher plein de choses, photos. C'est ça qui est bon dans le RP. Aussi te faire passer pour un gendarme. Bah oui, 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 nous on a des mecs là qui vont bientôt nous acheter les habits, on le sait, parce qu'on a discuté en RP avec eux, et on sait qu'ils vont vouloir acheter les tenues pour se faire passer pour des gendarmes. Les voitures, non, on les vole pas, ça nous intéresse pas. Comment vous procurez tout ça ? Je pose beaucoup de questions, Florian. Est-ce que tu veux pas le savoir, bordel? A mon avis, si tu le sais, je serais obligé de te tuer, madame. Tu veux vraiment le savoir? Non, tu veux pas le savoir. Non. Vers minuit, une heure, non, pas du tout. Je m'occupe pas de la weed, bordel de cul.
Tu m'occupes pas de la rue, bordel. Je touche pas. C'est des drogues. Ça c'est encore un mec qui est venu prendre de la weed, de la coke quand on est allé vendre. Il m'a foutu ces putains de merde. Et scandale. Je vais vérifier le truc, je suis sûr j'ai de la merde encore partout. Un sac à dos. Donc, des costumes. Ça fout là ces costumes, ça doit être là les costumes. Notre cabinet d'avocat, c'est mort, définitivement mort. On n'aura pas. Ah non, non, pas craft, ça fait longtemps qu'on les cherche plus, les Harry Potter. C'est très très longtemps qu'on les cherche plus. Très longtemps qu'on le cherche. Non, elles sont pas toujours là, effectivement. Il y a plusieurs styles de reliques et autant de styles de reliques qu'elles apparaissent à autant d'endroits. Donc, c'est par exemple. Disons qu'il y a. Disons qu'il y a. 5 styles de reliques, c'est 5 endroits différents. Quand il y en a une à un endroit, elle est pas, il n'y a pas les autres. C'est ça qui est bumberdale. Et oui, Flo, notre cabinet d'avocat c'est mort parce qu'on a une enquête en cours. Et voilà, donc comme ça, c'est la vie, poteau, faut pas se casser la tête, c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Ne nous cassons pas la tête, bordel. Alors moi j'ai du mal à sortir, alors aller vers Palais là je sais, aller de l'autre côté je sais jamais, je suis perdu, je suis paumé. Et la cité c'est juste là-bas au fond, à droite. Et la boîte c'était juste derrière nous. Bientôt il y aura un bar. Très très bientôt. Ouh. Alors bordel. Avec la Chiron je suis passé tellement vite à côté d'un poteau que le poteau est tombé. Non, je l'ai pas tapé, bordel, c'est pas vrai! Je vous demande, je l'ai pas tapé. Éventuellement, si quelqu'un regarde la rediffusion du live de ces moments-là, vous verrez que, effectivement, j'ai un tout petit peu touché le poteau. Et léger. Le vendeur, c'est les momos? Les vendeurs de reliques? Les acheteurs, peut-être, de reliques, non? L'acheteur de reliques, non, poteau? Plutôt que le vendeur. Je sais pas ce que tu veux me parler de ça, bordel. Oui, l'acheteur de reliques, c'est Momo. Ou pas. Ou pas, bordel. Découvre par toi-même, poteau. Prends une relique, tu vas voir Momo, tu vois ce qu'il en fait. Prends de l'or, tu vas voir Momo, tu vois ce qu'il en fait. Le serve d'or, y'a rien à faire, on s'ennuie. T'es gendarme ou t'es un truc comme ça? Je t'en donne des choses à faire, moi, si tu veux. Substitue. Je vais faire ça toute la nuit. Bah, amuse-toi, mais même la journée, pas crafté bien. Quoi, la nuit?
Ah, monsieur Sully, faut faire des enquêtes, bordel. Enquête, bordel. En même temps, c'est 11h du mat, vendredi, là, je crois que tout le monde dort. Moi, je vais dans le plus grand des calmes, sans armes, sans cagoule, avec mon 22, acheter des sous pour faire de l'accueil. Je tire même un frein à main ici, je nique le panneau. Non, attends. C'est quoi, regarde, y'a plus de respect, le respect est mort. Qu'est-ce qui se passe? Je fais demi-tour, monsieur. Ah, non. Yo! Yo, bordel! Ça va ou pas? Mais tranquille, poteau, et toi? Et j'ai fait un peu de coke et là j'ai rempli le camion le 22 dessus. Ok. Et où? Je suis au palais. Bah si tu veux venir, il est à Mansour, bordel. Ok. Je vais aller prendre des photos vite fait de ma maison hein, pour mettre ça en vente sur le journal. Tu vends ta maison? Ouais, j'ai une maison au palais là qui me sert à rien et du coup je vais aller vendre ça. On m'a conseillé de prendre des photos et mettre ça sur le journal de lui. Super RP ça les gars. Génial. Prends des photos de chez lui pour les vendre, c'est super. Yo, la fête au village, comment ça poteau? Non mais on s'en fout, les dealers tout le monde les connaît, full d'avoir. Casse même pas la tête. Le seul truc que je cache c'est le... Là où il y a les cagoules et là où il y a les plaques, c'est le seul endroit que je cache maintenant. Pardon, vu que ça a été tellement vu sur d'autres lives etc, maintenant ces endroits là je les cache plus. Comme on fait des ventes et tout etc, tu vois. J'ai pas envie de cacher ça à ceux qui prennent plaisir à regarder. Donc ça je le cache pas. Parce qu'il y a de l'interaction, parce que tu fais une vente, etc. Donc en revanche, les plaques, soit je n'y vais pas, soit je cache tout. Certains endroits, genre des maisons, des potes, etc. je fais pareil. Le vendeur d'or, vous ne voudrez pas y aller. Et quoi d'autre? Voilà, certaines choses que je fais pas. Ça va bien, j'ai repensé à votre ami qui disait connaître les gens du cartel. J'en peux plus. Ouais, il m'a tué. Après, les gars, c'est vous niquez le RP, hein. Si vous regardez un stream pour trouver des infos, c'est même pas bon de jouer comme ça. Tu sais, c'est comme si tu joues à GTA avec les cheatcodes. Tu t'éclates pendant 5 minutes, mais qu'est-ce que tu te fais chier après, quoi. Oui, les cagoles, ouais, je sais. Les cagoules, pas grand monde les connaît. C'était quand même connu parce que c'est passé sur des lives. Malheureusement, parce que, faute. Quand toi-même tu connais pas l'info et que tu tombes dessus, tu tombes dessus, c'est comme ça. C'est pour ça que moi les plaques je les cherche pas. Je sais, on connaît deux endroits. Hein. On sait qu'il y a encore un troisième endroit vu qu'il y a des moments où ils sont pas là, donc il y a au moins un troisième endroit. Et je le cherche pas, en tout cas pas quand je suis en live. De toute façon, si t'es un bon game RP, tu fais pas de méta, exactement. Exactement. Et les moments où t'es confronté avec ton RP sur un autre live, que tu es confronté en RP à ce genre de choses, tu fais en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne des décisions pour toi. Que je fais pour ma part, ça m'arrive une ou deux fois, je jette la balle dans le camp de l'autre personne et c'est lui qui décide pour nous. Comme ça je sais que je prends pas parti. C'est gentil la fête au village, ça fait super plaisir pour toi, ça fait super plaisir. Bon là en revanche je fais pas grand chose hein. Fait de la coque. Je pense qu'il faudrait qu'on aille faire toc 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 with coque aussi. Alors coque j'aime bien poteau, mais par contre with je suis pas passé ce matin, j'ai pas réfléchi. Ah il a coupé. Tu vois hier il y a un mec qui a coupé comme ça dans un rond-point devant nous. On l'a chassé et tout, on est allé lui faire une leçon de conduite. Ça s'est super bien passé, on l'a pas tué, on l'a pas tapé. On a un peu crié dessus. Je t'ai croisé, pas pour autant que je t'ai suivi ou quoi, tu vois.
Ah, c'était toi dans le cyber peut-être, non? Oui, on connaît le Jean-Kevin, 16 ans, qui se fait passer pour un caïd de 25 ans. Il passe son temps à faire du méta. On connaît. On les connaît, ces gens-là. On les connaît, ils ont été avertis. Et figure-toi que depuis, on les croise plus. Bizarre quand même. Ça dit, moi je demande qu'elle les croise, hein. C'est eux qui nous évitent. Bordel. Ouais. Je vais pas te croiser. Non mais y'a pas de soucis. Non mais attends. Ça va. Merde, je commence par là. Je casse pas la tête quoi, je veux dire, c'est pas. Pas mort d'homme. Hein. Moi les gens que je croise, ça me dérange pas, au contraire, ça me fait plaisir, tu vois, puis après on peut en blaguer, tu vois. Croiser, t'étais habillé en femme, etc. tu vois. Mais les gens qui forcent pour entrer dans du RP qui les concerne pas, ça me. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal avec ces gens-là. Énormément de mal. Des gens qui font quelque chose parce qu'ils savent qu'en faisant cette chose-là, ils vont te voir, ça, ça me. Ça, j'aime pas non plus. Mais bon, c'est la vie, hein, les gars. Faut empêcher les gens d'être qui sont. Hein. Non? Et si on met les cheat codes sur, de GTA sur. Faut tester Bring, là, le bordel. Là, tu soulèves un point. Effectivement, je n'y ai pas pensé. Peut-être qu'il faudrait qu'on y pense. Donc, je propose qu'on teste tous les cheat codes des GTA sur Arma. Putain, ce casque de merde, il me fait mal aux oreilles. Je peux faire apparaître un avion de chasse. Ah, c'est cool, ça. Je vais remettre mon autre casque. Est-ce que ça sert moins comme ça, je sais pas. J'ai l'impression que ça sert moins comme ça déjà. Mais je sais pas s'il va se... Je vais éternuer, il va se péter la gueule le truc. Mais c'est bizarre, y'a pas Oh My God. Oh My God, bordel de cul, t'es où putain de bordel de poil de cul de couille. Écoute poteau, te casse pas la tête hein, pour les sauts, je crois que chez moi ça va être pas. Tu veux des costards, poteau, bordel? J'ai ma voisine dans ce jardin juste là. Je connais un gamin. Mec, un gamin. Fois 15, ben 180. 180. 10 fois 5, 30, donc 90. Un mec a passé un jour du poteau de canon. Le pauvre. Le pauvre, le pauvre. C'est qui, fais-moi rien. Ah. Là, faut que je regarde, c'est obligé. En junior, en junior. Ça me parle. Faudrait que je stocke des trucs. Je peux mettre des trucs. Est-ce que dans les canapes... Merde, putain. Oh, comme il a fait. J'aimerais... Oh yes, oh yes, les costards ça passe dans le canal. Oh c'est bon non. Où toi t'es là bordel. Bordel j'ai une révélation. Bordel de cul tu m'entends quoi. Oh yeah. Content bordel. Yo super trottoir comment ça poteau bordel de cul. Tu viens de découvrir que les... Tu vois, habit de chasse 1, costard 2. Voilà. Moral de cette histoire,
La bite chasse est de meilleure qualité parce que plus lourd. QFD. Qu'est-ce que ça par hasard? Toujours poteau la patate, moi toujours, tu le sais. Et même tu sais que j'ai la patate, bébé. Ou on est bon, 1, 2, 3. Nous irons au bois. Tout le reste est plein de sauts. Oh, cool, du coup, ça c'est vide. Abitchas, c'est nickel. Ok, on est bon. Donc. Boîte, largeur de boîte, tant mieux, super trottoir, ça me fait plaisir. Hop, on a besoin que d'un chargeur, on va en prendre deux par précaution. On va prendre une petite cagoule, un petit masque à gaz. Donc pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure avec la boîte, là regardez, écoutez. Ça fait rien, d'accord? Vous avez vu? Ça ne tire pas. Ok? Ok? Parce que si vous n'appuyez pas sur F, le canon ne sort pas. D'accord? Vous voyez le canon là? On le voit bien. Et là on le voit plus, d'accord? Donc n'essayez pas de tirer quand elle est fermée. C'est pas la peine. Ok? Voilà, pour les touristes. Du coup j'ai pris à manger, à boire. Non, j'ai pas pris à manger, à boire. On se met une paire de lunettes. Chapeau qui va bien. Des classes comme ça, des classes. Salut, ici Nicolas Garcia. Un chien team chez Tonio. Comment ça, bordel? Bon, bah, du coup, on a fait le plein. Je me tâte. Vous savez quoi? On va se taper un délire, les gars. Ah non non, j'ai dit qu'on allait faire toc toc toc, putain. Bon bah non, on va faire toc 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 alors. Pas trop coller parce que sinon ça va faire des sauts et c'est fini, bye bye. Hein, on va le laisser là. Je voulais en vrai, je voulais regardez comment ça éclaire. Je voulais prendre le, c'est quoi ce truc que je viens de lire? Ah. Tu parles de la lettre de ta femme qu'elle m'a écrit, qu'elle m'a laissé sur ma porte? Bordel. On va aller faire toc 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 Ouais, je suis obligé de prendre celle-là. Je rigole, Tonio, tu le sais un peu, toi. J'ai chargé mes coffres, Tonio. Attends, vous allez tous l'appliquer. Tu parles de quoi là? J'ai dû rater un truc là. Je regarde l'intro de Marcus. Elle est sympa ça. Alors. Le fofo. La polémique. Le fofo, la polémique, de quoi on parle là les gars? Oula, 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 ouais, je viens de voir ça, là. What the fuck?
Wow. Ah, j'étais pas au courant, je viens de le voir, tu vois. Je n'étais pas au courant, effectivement. Refoule là-bas, poto. Qui est pas ça, bah, pas ça, qui ça dit, hein. Il est en train de m'écrire S. Là, je vais comprendre un petit peu ce qui se passe. Ouais, ce genre de choses, c'est fatigué. On va bouffer des tacos, c'est ça. C'est quoi, j'achèterai ça au problème. On aura l'autre. Un petit Glock quand même. Non, pas de Glock. Et là, je vais laisser celle-là ici. Je sais plus où elle était garée, putain, celle-là. Ah, t'es garé devant quoi. Enlever le baringot.
Donc en fait, si vous voulez, pour faire un résumé simple, mais simple, c'est compliqué. J'ai pas envie de vous résumer ça, ça me fait chier. Pourquoi je suis passé par là, je vais me perdre encore, bordel. Merci pour le follow, Tarkaté. Perdu que je suis si bas là. Ce qui me gonfle, c'est qu'avoir un groupe puissant, ça fait chier certaines personnes. Putain, la photo d'écran de téléphone. Ah, tu la kiffes? Moi aussi, je la kiffe, poto. Et c'est ma femme. En fait, pour tout te dire, c'est la photo de la femme de Tony. Ne dis rien, s'il te plaît, elle est partie sans rien dire, elle est pas au courant. Parti sans pneus, sans rien, j'ai peur de rien. Je suis parti dans... Oh putain, les chiro, il fait chier. Elle a traversé la route. Qu'est-ce qui a traversé la route? Ouais. Bâtard. Ah, d'elle. Et Chirol, 10 minutes d'arrêt, Chirol, merci. C'est un coin sympa ça. Putain, il est en train de... Il est en train de me... m'écrire un roman là, ce qu'a vraiment dit. La tip top la vachette là. Voilà, on a retrouvé la route. T'arrives dans la montée ici. L'argent est relou à faire sur le cerveau pas. J'ai passé mon visa hier. En fait, l'argent c'est une économie réelle, poto. Donc c'est à dire le berlingot que j'ai vaut 18 000 euros. Pour te faire 18 000 euros, il te faut une aire avec un DAF et du diamant. Ouais. Donc un DAF coûte 350 000 euros. Enfin voilà, donc si tu veux, pour en arriver à avoir un DAF et faire autant de sous, faut un certain nombre d'heures de jeu, ce qui paraît logique, hein. Sinon ça enlève un petit peu l'intérêt du truc. Donc merci pour le follow, je sais pas qui, j'ai caché mon truc là, je vais voir ça dans deux secondes, je suis désolé pour toi. Bienvenue à toi en tout cas, bordel. Bordel du cul, bienvenue bordel. Raisei TV, bienvenue à toi. Désolé si j'écorche les noms. Je conduis en même temps.
Donc concrètement, l'économie est celle de la réalité. Ouais, voilà. Voilà. Logique que les parties légales sont... J'ai tellement envie... Ouais, mais là, on parle pas du même affrontement, en fait, là, si tu... Donc concrètement, c'est une économie réelle. Tu vas acheter un kebab, ça va coûter 5, 6, 7 euros, une bouteille d'eau pareil. Et voilà, pas tout. Ah bon? Ah, moi si, putain. Grâce au live, aux dons, aux subs et aux pubs que je fais toutes les 5 minutes, je gagne 23 000 euros par heure. Donc je suis toujours pauvre, mais... Sur poteau. Donc non, c'est une économie réelle, poteau. C'est-à-dire qu'elle est... Elle est réelle. Tu veux faire l'essence, ça va te coûter 50 euros. Putain, d'ailleurs, faut que tu fasses l'essence. Et que ça arrête au milieu du départemental comme ça. Donc tu veux faire l'essence, ça te coûte 50 euros à plein. Donc là, je vais payer un peu moins, j'espère, sinon l'essence aura augmenté. Tu veux acheter un appareil photo, c'est 200 boules. Tu veux un iPhone, c'est 800 boules. Voilà quoi. 2 euros le litre. Hein. Putain, c'est cher, hein, sa mère. C'est quand même plus chiant de faire de l'illégal que du légal ici, en tout cas. Pour gagner pas beaucoup plus, si tant est que tu gagnes plus. Disons que, si tu veux, l'illégal est vraiment en adéquation avec la réalité, c'est-à-dire que faire de l'illégal tout seul, tu peux. Mais à tout moment, tu peux pas. C'est-à-dire que l'illégal est géré par des groupes qui sont plus que deux. Ils peuvent te laisser faire éventuellement si tu trouves un arrangement. Yo Smoke. Et du coup ça se passe comme ça. En revanche, faire du légal, tu peux le faire tout seul, logiquement, il t'arrivera. J'ai pas vu la GTR plutôt, j'ai plus... Ouais, vite fait, c'est bon. Passe sur TS, tu vas dans le channel de K ou de Tonio, je vais venir dans pas longtemps, on discute. On discute pour toi. Avec la GTR, on va niquer. Exactement. Je sens qu'on va faire du PUBG Smoke à partir d'aujourd'hui. Tout le week-end, la semaine prochaine. Je sens qu'on va faire du PUBG, ça va être bien. Gagnez bien votre vie, devenez riche. Ah, vous avez tout compris, monsieur. Ah, garage récent, il y a... Ah. Ok, c'est là où j'avais... Il y a écrit en fait, il y a un point sur la carte. A plus, Etorect. Allez-y, monsieur, j'y vais. A bientôt, Poto. Bonsoir. Bonsoir. Bon les potos, une fois n'est pas coutume, je vais quitter un peu plus tôt. Hop, je vais juste voir s'il y a personne qui est en train de live sur ALF ou sur autre chose. Pour de faire tourner un peu le truc. Yep, de même, faut que je bosse la prison. Bah oui, bordel, faut que tu bosses la prison, bordel, mec.
dans la chaîne suivante. Bon, écoutez les gars. Aïe! Attendez. Ah, mais vous auriez pas dû mettre à poil le. Aïe! Comment il s'appelle? Je sais même plus c'est quoi son nom. Mais tu sais que celui il était là aussi à la discothèque, gros. Bon, les potos. Et on va se taper un petit. Par contre, t'as vu, c'est bizarre. Hein. On leur a dit tous à poil, personne a bronché. Ils se sont tous mis à poil. Bah, c'est une bonne journée, les potos. Je vous dis à cet après-midi. Non, moi, je suis là. Moi, je suis pas rentré. Sur quel jeu je ne sais pas. Bah, tu vois, on est pas là pour faire le bordel. Mais on est là pour les potos. Mais je sais pas si tu vas pas te recevoir des menaces. Tu vas pas te mentir.